Nouveau live de la rédaction avec un nouveau format pour ce dernier live de la semaine, puisque comme vous pouvez le voir, nous avons tous nos pros avec nous. Bonjour Guillaume, bonjour Rémi, bonjour Lewis. Bonjour à tous. Bonjour. Et nous avons comme invité spécial Christophe Muneza, le directeur exécutif de la Fédération française de golf. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Christophe, ce matin, j'ai interviewé Pascal Grisot qui nous a notamment dit qu'à 14h30, la Fédération avait une conférence téléphonique avec Gérald Darmanin, le secrétaire d'État au budget, avec Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, et avec Roxana Maracineanu, la ministre des Sports. Vous avez assisté à ce call. Qu'en est-il sorti? Qu'avez-vous dit à l'État français? Alors, c'est Jean-Louis Charron et Pascal Grisot qui ont représenté, on va dire, la fédération à cette occasion. Il y avait effectivement les ministres là que vous venez de citer. En plus, Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Et il y avait différents acteurs, on va dire, de l'industrie du sport. On peut citer GL Event, on peut citer ASO avec Yann Lemoener, aussi la fédération de tennis, le président de la fédération de tennis, M. Guiliccelli, pour Roland Garros. Et puis d'autres acteurs essentiels de cette industrie. L'objet de cet échange, c'était principalement de discuter du poids économique de la filière. Cette réunion s'est tenue sous l'égide donc, de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances. Et dans le prolongement, d'autres mesures qui ont été annoncées sur d'autres secteurs d'activité. Vous avez sans doute entendu aujourd'hui le tourisme, notamment l'hôtellerie, les bars, la restauration. L'idée était, à l'occasion de cette réunion, d'imaginer des passerelles entre ces différents environnements et de voir comment les mesures d'accompagnement de certains secteurs d'activité pouvaient également bénéficier au sport. Donc ça, c'était la première partie, on va dire, de ces échanges. Et dans ce domaine, le golf a beaucoup de choses à faire valoir aux côtés d'autres disciplines. On peut parler aussi de l'équitation, par exemple, mais aussi du cyclisme ou de la voile, parce que le golf, c'est une filière économique à part entière. Je ne vais pas vous bassiner avec des chiffres, mais ce qu'il faut simplement retenir, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel, 15 000 emplois, dont des enseignants, beaucoup d'enseignants, et puis aussi des taxes. Donc, on a eu toute l'attention du ministre à ce sujet, puisque sur les 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, l'économie du golf génère 572 millions d'euros de taxes qui remontent à l'État et aux collectivités. Donc, même si là, on a appréhendé la pratique du golf à travers l'angle économique, c'était extrêmement important qu'on puisse ajouter cette flèche à notre arc pour démontrer qu'au-delà de toutes les vertus qu'on connaît à la pratique, évidemment que je ne vais pas vous démontrer ici, il fallait aussi faire émerger cette dimension économique pour essayer d'être dans le premier wagon pour les activités qui vont pouvoir reprendre à compter du 11 mai. Voilà quelle était la teneur de ces échanges. Je vais vous laisser aux mains de nos trois pros, mais j'ai une dernière question qui va les intéresser particulièrement. On en a parlé ce matin avec Pascal Grisot. Jusque-là, on était sur un volet santé pour le golf, pour un volet économique, vous venez d'en parler. Il y a eu un troisième volet qui s'est rajouté au dernier moment, qui était un volet sociétal avec une grande annonce qui va être la prise en charge des enfants de l'éducation nationale, pas forcément des golfeurs, dans tous les clubs de France. Est-ce que vous avez abordé ce volet-là tout à l'heure avec l'État? Alors, on l'a mis en avant parce qu'à la périphérie des enjeux strictement économiques, il y a des enjeux qui sont d'ordre social ou sociétal, vous venez de l'évoquer. Il y a l'animation des territoires. Le golf, on est présent dans les grandes villes, on est présent dans des territoires aussi plus ruraux et sur l'ensemble du territoire. C'est un atout, c'est une qualité dans le cadre du futur déconfinement. Il y a toute la dimension touristique parce que cet été, ça n'a échappé à personne. Il faudra voyager plutôt en France, notamment pour les Français, en tout cas à l'intérieur de l'espace Schengen. Donc ça, c'était un autre argument. Et enfin, il y a ce volet qui est essentiel et qui nous tient évidemment à cœur en tant que fédération sportive. C'est la capacité qui nous serait donnée de faire découvrir notre sport à un public jeune et en l'occurrence le public scolaire. Donc c'est vrai, cet argument, cette dimension est arrivée relativement tard dans le dispositif, mais on a voulu y répondre de la manière la plus concrète qui soit en indiquant que nos clubs de golf, hein, il y a 732 structures en France, ce ne sera pas forcément dans les 732 clubs, mais en tout cas que la majorité des clubs seraient en capacité, avec leurs enseignants, avec leur personnel d'accueil, d'accueillir ce public.
Guillaume, vous êtes directeur pro au golfe du Vaudreuil, donc allez-y, la première question est pour vous, parce que vous êtes doublement concerné par cette réouverture le 11 mai. C'est absolument formidable. Déjà, la première chose, on en a parlé tout à l'heure, bien évidemment, on en a parlé en off, on apprécie énormément le travail qui est fait par la fédération, par l'ensemble, je dirais, des organismes qui sont liés à l'activité du golf, la PGA, la DGF, et on sent un soutien qui est absolument formidable. On a des mails quotidiennement. Je veux dire, merci, un grand, grand merci déjà pour cette action que vous menez, cette solidarité. On sent vraiment que vous êtes hyper actifs. Donc, c'est la première des choses. Deuxièmement, cette mesure, elle n'est, et c'est pas pour faire du politiquement correct, mais elle est que formidable. La première des choses, elle est solidaire. Elle va donner du travail aux professionnels. Et en plus de ça, ce qui était quand même, je dirais, l'objectif de ce débat, en tout cas un des objectifs, qui était pourquoi nous n'avons pas plus de licenciés, quelle opportunité pour nous que de faire découvrir le golf au plus grand nombre. Donc, on coche à peu près toutes les cases. Je me répète très rapidement, solidarité économique au niveau des enseignants, car je crois, Christophe nous en dira un petit peu plus, mais qu'il y a même un fonds qui a été prévu pour rémunérer les enseignants. Et en Absolument. Plus de ça, une opportunité incroyable que de faire découvrir notre sport à un nombre de jeunes qu'on n'a pas l'habitude de toucher. Donc, Non, mais une première réaction, on pourra évidemment parler en détail, on va dire, des modalités pratiques du golf scolaire, les avantages, les éventuelles limites, mais il y a en tout cas un obstacle qu'on pourrait lever à travers l'initiative là dont on parle, accueillir les enfants dans cette période de déconfinement, parce que selon le ministre de l'économie, les enfants pourront retourner à l'école, mais en demi-classe, donc il va falloir les occuper, les autres demi-classes quand elles ne seront pas dans les cours. Ce qui nous semble très intéressant, c'est qu'en temps normal, le golf, comme la majorité des autres activités sportives, sont des activités optionnelles. Il n'y a que très peu d'activités qui sont vraiment inscrites dans le marbre, dans le programme de l'éducation nationale. Pour prendre un exemple très concret, la natation, apprendre à nager, ça fait partie du programme d'EPS. Donc, un prof d'EPS, quel que soit l'établissement dans lequel il intervient, il a pour obligation statutaire d'avoir un cycle de natation. Bon, c'est pas le cas pour le golf. Le golf, c'est optionnel. C'est le cas de plein d'autres activités. Ça peut être le cas du tennis, ça peut être le cas de l'équitation, etc. Donc là, la porte qu'on essaye d'ouvrir, je dirais même d'enfoncer, c'est de dire, mais nous, la distanciation sociale, on peut la garantir. L'application des gestes barrières, on peut le faire. La dimension éducative, pédagogique, on coche, pour reprendre votre expression, l'ensemble des cases. Et on a un personnel professionnel formé à l'encadrement des gamins, parce qu'ils font ça toute l'année. Soit ils participent à des opérations de golf scolaire, soit ils ont leur propre école de golf. Il n'y a pas en tant que tel de comparaison dans d'autres disciplines sportives. Donc, on a vraiment voulu s'engouffrer dans cette brèche, si je puis dire, et démontrer que le golf pouvait répondre présent dans cette dimension-là. Rémi Lewis. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Guillaume. Déjà, là, premièrement, voilà, de la part de toute l'équipe du Journal du Golf, on suit de très très près tout ce que vous faites. Et puis, c'est vrai que le fait d'avoir Pascal Grisot la semaine dernière et ce matin, c'est juste formidable d'avoir des infos. On en a parlé en off. Le but, c'est aussi de donner des informations aux amateurs pour leur permettre d'avoir un peu plus de clarté sur la situation. Parce que dès que les choses sont un peu floues, les gens peuvent avoir un peu peur. La priorité, c'est toujours de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir retourner. Enfin, la priorité pour les golfeurs, évidemment, c'est est-ce qu'on va pouvoir retourner sur le golf le 11 mai ou le 15 juin. Arnaud l'a évoqué ce matin. Et donc, du coup, suite à l'intervention de Pascal ce matin, qui a été juste vraiment, je tiens à souligner, formidable ce que Arnaud et Pascal ont fait ce matin. Il y a plusieurs questions qui sont sorties en fait de cette interview de tous les deux. Et une des questions, c'est est-ce que Christophe, une question de la part de l'audience d'ailleurs de Jacques Taeb, je vais l'afficher aussi parce que j'avais la même question, donc ça tombe bien. Est-ce que c'est vrai que si un golf refuse l'accès à des centaines d'enfants, il lui sera interdit d'ouvrir? Donc, non, est-ce que si un golf refuse, est-ce que du coup ce golf reste fermé? Il n'y a pas. Dans les informations qu'on a obtenues, et principalement du ministère des Sports et du ministère de l'Éducation nationale, ce qui est étudié actuellement, c'est la capacité d'une discipline sportive à développer une offre de pratique pour le public scolaire. Mais ce n'est en aucun cas une condition sine qua non d'ouverture d'un établissement. Il résonne de manière plus globale. Donc,
Ce qui nous a semblé important dans les arguments qu'on a pu mettre en avant, encore une fois, économiques, les gestes barrières, la dimension sanitaire, etc., c'est d'ajouter un argument supplémentaire sur ce volet social tourné vers les enfants. Le plan qu'on a proposé, il est extrêmement simple et il s'appuie sur ce qui est mis en œuvre toute l'année déjà, je dirais, par la fédération, ses clubs, avec l'aide notamment des comités départementaux qui interviennent plus particulièrement sur le champ scolaire. Donc, ça se résume à 3-4 actions que vous connaissez. L'idée, c'est de bâtir des partenariats avec les établissements, qu'il s'agisse d'écoles primaires ou de collèges, c'est plutôt le type d'établissement qu'on cible, un peu moins les lycées, parce que le public est plus âgé. Puis après, il y a les problèmes de proximité. Donc, permettre au club de développer un partenariat avec un établissement scolaire. Le club devra fournir le matériel, mais on sait qu'il y a déjà beaucoup de kits scolaires qui sont déployés dans les clubs en France. Ils sont fournis par les comités départementaux et déjà financés, ils existent, ces kits scolaires. Ensuite, il y a du matériel pédagogique. Alors, c'est soit de la littérature pour encadrer les séances, soit des plots, des ballons, bref, tout ce qu'il faut pour organiser les séances. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui est disponible. Et puis derrière, évidemment, l'idée, c'est d'associer, d'impliquer l'enseignant. Et dans le plan qu'on a proposé, on a identifié un budget dans une fourchette de 300 à 500 000 euros en fonction du nombre de séances qu'on pourra organiser. On est parti sur un modèle entre 200 et 250 clubs sur les 730 clubs avec terrain que compte notre territoire. Donc l'idée, d'accord, c'est d'être okay, présent, grosso modo, dans un tiers des clubs. Bon. Ah, ça, c'est déjà plus clair, déjà au niveau des chiffres, déjà ça apporte plus de clarté sur les golfs qui vont être en France. Alors comment est-ce que vous avez déterminé quel golf, du coup, sera en action? Est-ce que c'est les golfs qui ont une initiative, c'est eux qui prennent la démarche de dire « nous, on voudrait bien le faire avec plaisir » ou est-ce que c'est vous qui allez les démarcher? Comment ça se passe tout ça? Alors, à ce stade, on s'est appuyé sur le maillage existant. Aujourd'hui, ou plutôt en 2019, en France, il y a déjà un grand nombre de clubs qui mettaient en œuvre des opérations de golf scolaire, de l'ordre de 200 clubs en France. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, et je ne vais pas le détailler ici, vous pouvez jeter un coup d'œil, vous tapez mon carnet golf dans un moteur de recherche et vous arriverez sur le site de la Fédé, il y a tout un topo sur cet outil. C'est quoi mon carnet golf? C'est un double carnet, on va dire le carnet de l'enseignant, le carnet de l'élève. Ça a été développé à l'occasion du plan d'accueil et d'organisation de la Ryder Cup. C'est une idée qui est née avec Au Golf National, avec 50 ans Yvelines, l'Académie Paris, Créteil, Versailles. On a développé ces deux outils et ça permet pour des classes de CM1, CM2, 6e, c'est ça le focus, d'accueillir une classe entière et d'utiliser le golf comme un support pédagogique. Alors bien sûr sur les habiletés motrices, physiques, sportives, tout ça, mais au-delà de ça, on décline la science physique, ça va être la trajectoire de la balle. L'anglais, ça va être le vocabulaire du golf. Excellent. Les sciences de la vie et de la terre, on va faire une sorte d'herbier, on va aller sur le parcours, regarder les espèces. Et c'est corrélé à notre programme pour la biodiversité avec le Muséum national d'histoire naturelle. Donc, on a essayé de faire un pack complet. Ce matériel pédagogique, il existe. Il y a à peu près 20 000 gamins par an qui ont accès à ces contenus. Et là, l'idée, c'est de passer un peu à la taille industrielle et d'utiliser cette période de déconfinement pour mettre en avant ce programme et le déployer de manière encore plus importante. C'est génial. C'est ça la dynamique. C'est génial. Quelle opportunité. Quelle opportunité incroyable. Rémi, je vais te donner la parole, mais il y a Karine Espinasse qui est directrice, ancienne pro-aide. Je rajoute la question là, justement, dans le live. Ouais. Vas-y Arnaud. On demande quid du transport, elle dit qu'elle est prête à accueillir des gens, mais évidemment, et notamment à l'accueil des Yvelines, les golfs sont souvent en dehors, donc quid du transport. Et après, Rémi, promis, c'est à toi la parole. Pas de problème. Alors, excellente question de Karine, évidemment, l'accueil des Yvelines. Le transport, c'est un des points clés, c'est-à-dire qu'il faut avoir les outils, le matériel pédagogique, le club volontaire, etc., l'établissement scolaire. Mais encore une fois, on ne part pas de scratch. Il y a déjà un réseau, il y a un maillage. Après, sur le transport, la réponse, elle vient de la collectivité. C'est-à-dire qu'on a bien conscience que ce ne sont pas les parents, un par un, qui vont amener les gamins au golf. Donc, il y a déjà
Ça fait partie du plan éducation nationale, ministère des Sports. Il y a déjà un dispositif de transport qui est en phase de conception et qui s'appuierait sur les transports en commun, en l'occurrence plutôt des bus hein, pour aller sur les golfs, c'est une évidence. Et l'idée, c'est de mettre à contribution les collectivités pour qu'elles puissent financer ce transport. Donc, dans certains cas, il y a une proximité quasiment immédiate parce que il y a le plan des 100 petits équipements, donc on a des équipements urbains, mais parfois, il faut évidemment s'appuyer sur un réseau de bus pour pouvoir amener les gamins sur le site de pratique. C'est ce qu'on avait fait avec Saint-Quentin-en-Yvelines, et ce qui avait assez bien fonctionné, c'est évidemment un point clé, et potentiellement, c'est vrai, un point d'achoppement du dispositif. Le transport, ça sera clé pour réussir cette démarche-là. Rémi ? Oui, moi, je vais pas reprendre ce qu'a dit Guillaume et Lewis, toutes les félicitations, les remerciements. Je m'inquiète même de savoir comment vous faites, quand je dis vous, Christophe, c'est avec toute l'équipe de la FFG, pour passer autant de temps dans les interviews, dans les ministères, et en plus, vous trouvez le moyen de répondre aux internautes sur Facebook. Je trouve ça... Je trouve ça ouais, excellent. C'est sympa, Rémi, mais je pense, et puis on va pas se passer de la pommade. Et tout non, ça, non, c'est non. Pas, c'est pas du tout le propos, mais de manière tout à fait structurée, dès le début du confinement, on a eu cette discussion avec les élus de la fédération, comment on s'organise pour porter le message de la filière, accompagner les clubs, les salariés, les joueurs, et... on a fait comme, je sais pas, une sorte de carte d'état-major, là, en se répartissant les tâches les uns les autres. On a aussi des élus qui sont très investis. Pascal, on est le meilleur exemple, avec Jean-Loup Charron. On fait un point d'honneur à répondre à tout, à répondre à tous les mails des licenciés, à répondre à tous les mails des clubs, être présent aussi sur les réseaux sociaux. Donc, pour répondre de manière très schématique à votre question, c'est vraiment une question d'organisation, évidemment d'amplitude horaire. C'est un peu comme si on faisait un match de catch avec des équipes un peu en 3-8, on se tape dans la main, puis c'est les autres qui montent sur le ring. Donc on essaie de s'organiser comme ça, et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien, ça mobilise beaucoup d'énergie, et là on est vraiment sur un registre pratique, licencié, joueur. Il y a tout l'autre volet, on va dire B2B, réseau, et on peut compter aussi, au-delà de ce que fait la fédération, ça a été cité hein, spontanément par vous-même, le travail de la DGF, de la PGA, de la GREF, le GEGF, hein, les golfs commerciaux, le GFGA, les golfs associatifs. C'est vrai que c'est dans les profs qu'on voit les braves. Et là, il y a une vraie union sacrée de l'ensemble des professions pour partager ces informations. Parce que même si la fédération est en pointe pour relayer les infos, il y a tout un travail qui se fait un peu backstage avec ces organismes qui nous remontent aussi beaucoup d'infos, que ce soit de l'info des clubs, mais aussi l'info du réseau international. Donc, on est tous très mobilisés, et c'est ce qui explique qu'on est en capacité de répondre un peu comme ça sur tous les fronts. Alors, moi, j'allais dire, en fait, que, évidemment, hein, mes propos, on va les modérer, mais le Covid, finalement, est une chance pour nous. Je m'explique, évidemment, hein, et on a des proches qui ont été touchés. On sait qu'au niveau sanitaire, c'est une catastrophe, mais c'est une chance parce que justement, je trouve que on arrive à s'unir contre un ennemi invisible commun. J'ai jamais vu autant de solidarité entre les enseignants et qui assistent à des formations. Et pourquoi je dis que le Covid est une chance pour nous ? Là, je parle aussi aux enseignants. Et il faut pas qu'on se rate, c'est une super opportunité, Guillaume le disait tout à l'heure, de montrer que on peut être solidaire et on peut se refaire une image. Le golfeur a souvent une image un peu arrogant, égoïste, sport de riche, on les connaît, on va pas se mentir. Ces images-là, on les a. Là, on a l'opportunité qui est plein d'enfants non golfeurs qui viennent dans nos structures. C'est à nous de leur faire aimer le golf. C'est à nous de transmettre les valeurs et c'est à nous après de préparer des solutions pour ne pas créer de frustration et que ces enfants qui vont être attirés par le golf, il ne faut pas les rater, il faut leur donner l'opportunité de continuer. Il ne faut pas que ça soit one shot. Donc je le dis, le Covid, ça peut être une chance, ça peut être une belle opportunité pour nous. À nous de ne pas la rater, les gars.
Alors moi je vais rebondir là sur ce qu'a dit. Non vas-y pardon Christophe, vas-y. Non je t'en prie. Alors je pense et évidemment hein, tout ça avec plein de guillemets sur le côté oui, sanitaire. Je m'entends santé, hein. Que vient d'évoquer Rémi. Là où il y a effectivement une, je sais pas si c'est une opportunité, mais enfin une occasion. Ça nous permet de démontrer combien notre pratique, hein, celle du golf, est porteuse de qualité, d'atouts, de valeurs, etc. Et c'est vrai qu'en temps normal, on a du mal à faire émerger cette réalité parce que, alors vous le dites, c'est vrai en France, mais il n'y a pas qu'en France. Hein, c'est-à-dire que même quand on parle de la Grande-Bretagne, on connaît évidemment la force hein, du golf en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon. De manière générale, eux aussi hein, pâtissent de cette image du golfeur, sport de riche, de snob, de vieux, etc. Et ils luttent au quotidien, alors que c'est un sport historique. Hein, donc, pas autant quand même, que... Christophe. Pas autant. Enfin, tu vois, c'est quand tu vas en Angleterre et tu vas en Écosse. Mais quand on regarde aujourd'hui le golf britannique, qui a perdu de très nombreux joueurs, hein, je ne parle même pas des licenciés, et pour échanger très régulièrement, y compris avec le RNA, ils sont très préoccupés de cette tendance. Bon. Donc, il y a un fait comme ça dans nos sociétés occidentales, notamment, le golfeur, le golf est taxé d'être un sport un petit peu à part, sans mauvais jeu de mots. Donc, dans cette crise sanitaire, on peut faire émerger toutes les qualités du golf et je pense franchement qu'il faut faire feu de tout bois et mettre en avant l'ensemble de ces qualités. Il y a un bémol que je veux apporter, c'est que on pourrait croire comme ça, on vient de mentionner le golf scolaire, que ça y est, on a vu la lumière, on se dit enfin on va pouvoir faire du golf scolaire, etc. La Fédé et ses clubs, on en fait depuis 84 du golf scolaire. Et pour prendre une initiative qui a été menée au golf national, et c'est pour ça qu'il faut être parfaitement lucide hein, là-dessus, avec la fondation Lacoste, on a mené une opération pendant 10 ans qui s'appelle Croco Golf, avec le Secours Populaire, avec la Fondation Maquignon qui s'occupe d'enfants en difficulté. 30 gamins par an pendant 10 ans, prise en charge totale, l'enseignement, le goûter, le transport, la totale. En 10 ans, il n'y a que 3 gamins qui ont intégré l'école de golf. Pourquoi ? La raison principale... 3 gamins sur 30 ? 3 gamins sur 30 pendant 10 ans sur 300. Sur 300 gamins, il y en a 3 qui ont intégré l'école. D'accord. Donc, ce n'est pas 3 gamins sur 30, c'est 3 gamins sur 300. Oui, 300, absolument. 300. Donc, 1%. Le golf scolaire, c'est. Mais comme vous pouvez en discuter avec le tennis, avec l'équitation, etc., c'est pareil. Hein. C'est un véritable panier percé en termes de moteur de transformation dans la pratique en club. En revanche, là où vous avez parfaitement raison tous les quatre, c'est que c'est un levier exceptionnel sur. L'image de la pratique, voilà. le développement à moyen long terme. Et c'est vraiment cette carte-là qu'il faut qu'on joue. Christophe, il y a Jean-François Gaillinan qui nous pose une question, mais juste avant, je voulais signaler qu'il y a le tenant du titre de l'Open de France qui nous regarde de Belgique, il y a Nicolas Colsart. Donc évidemment, on le salue, bienvenue à tous nos amis belges, et notamment à Nico. Jean-François Gaillinan qui nous demande, quid des 2/3 des golfs qui n'accueilleront pas d'enfants, Christophe, vous nous confirmez qu'ils pourront ouvrir? Oui, encore une fois, c'est pas un facteur discriminant dans les échanges là qu'on a avec le ministère des Sports. L'idée, c'est de répondre présent en tant que discipline sportive. On comprend parfaitement qu'un club qui serait situé dans une grande ruralité, avec une très faible densité de population, il pourrait parfaitement envisager réouvrir parce que les gestes barrières seront rendez-vous, la distanciation sociale aussi, mais il ne sera pas forcément en capacité d'accueillir de gamins. Donc, ce n'est pas un point de clivage et ce n'est pas du tout un point d'exclusion. Ce qui compte, c'est qu'on ait une réponse en tant que discipline sportive. Il faut, je rebondis sur ce que disait Guillaume tout à l'heure, il faut cocher cette case-là. Après, on le sait aussi, il y a d'autres facteurs qui rentreront en ligne de compte. Parfois, ça peut être l'extrême densité. On peut concevoir qu'un équipement qui serait... très très proche d'un environnement urbain, n'aurait pas la capacité de réouvrir, eh bien parce que le préfet, parce que le maire ne rendrait pas cette ouverture possible. Donc il y a pas mal de facteurs qui vont se croiser dans le cadre du décloisonnement, mais le fait de ne pas pouvoir accueillir d'enfants, c'est absolument pas un facteur d'exclusion. Christophe, moi j'ai une question importante, parce que tu vois, tu parles des 1%, donc vous avez mis en place évidemment
ce confinement qui arrive. Bon, alors, je ne vais pas utiliser les mêmes mots que Rémi parce que je ne suis pas forcément d'accord que c'est une chance. Je pense que ce n'est pas forcément le meilleur mot qui arrive. J'ai mis des guillemets. J'ai compris le message. Mais voilà, qu'on a des personnes qui sont directement affectées par le Covid, c'est, faut plutôt étudier ça comme une opportunité qui va arriver derrière le confinement. Et donc, la question, c'est que vous avez déjà mis, vous, des choses en place avant, bien avant, des années, même dans les années 80-90, vous avez déjà mis des choses en application pour essayer justement d'augmenter le taux de licenciés à travers les actions que vous avez menées avec les jeunes. Donc, vous avez évoqué que tu as eu 300 enfants et que tu en as 3 sur les 300 qui sont, du coup, ont été fidélisés à travers une inscription à l'école de golf. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser la situation qui va arriver juste après? On va être dans une situation similaire, on va accueillir plein d'enfants de différentes écoles. On est tous d'accord, Rémi, Guillaume et moi, on va leur donner envie d'aimer le golf. Mais selon toi, avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui avec la Fédération française de golf, pourquoi est-ce qu'il y a uniquement 1% de transformation et comment est-ce qu'on peut essayer de se transformer sur 1% en 10% à la sortie du confinement? Alors, pour transformer l'essai, et ça revient un petit peu à la question qui était posée par votre internaute, quand on veut qu'une opération de golf scolaire soit efficace, il faut qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient validés, et notamment le fait que les gamins qui viennent puissent venir dans une certaine proximité. Si vous devez faire 25 minutes de bus pour venir au golf, par définition, quand l'initiative scolaire va s'arrêter, il est très probable que le gamin ne vienne pas dans le club. Deuxièmement, il faut que le club soit au cœur du projet et qu'il ait le projet d'accueillir, non pas sur un registre un petit peu poudre aux yeux, une opération de manière comme ça tout à fait ponctuelle, mais qu'il ait véritablement le projet de transformer la découverte scolaire en pratique en club avec une offre de pratique derrière. Ça, ce sont vraiment les deux critères principaux. Après, il ne faut pas se voiler la face. Le golf a beaucoup de qualités, mais il a aussi quelques défauts, quelques limites, plutôt des limites d'ailleurs que des défauts. Mais c'est vrai pour tous les sports. Quelles sont ces limites, Christophe ? On ne va pas faire de la sociologie de comptoir ou convoquer Pierre Bourdieu, mais il y a un habitus de la pratique. Qu'est-ce qui fait que des gamins vont être intéressés par les sports de combat ou par les sports d'équipe ? Et puis d'autres par des sports de pleine nature, par la voile, par l'équitation, par le ski, etc. Il y a plein de choses qui relèvent de l'intime, qui relèvent de la culture familiale, qui relèvent de choix personnels sur lesquels, avec la meilleure volonté du monde, on aura du mal à agir. Donc nous, il faut qu'on crée les conditions, il faut qu'on crée l'offre, il faut qu'on soit prêt à la traiter, mais on ne pourra pas faire mouche à chaque fois. Et il faut admettre que le golf, dans ses caractéristiques, il peut rebuter certains enfants, il peut rebuter certains parents. Il faut bien évidemment qu'on cherche à identifier les points limites. Parfois, la limite, c'est la capacité des clubs à mettre les gamins sur le parcours, à leur offrir une offre de compétition. Pascal Grisot a insisté là-dessus. Hein. Nous, on est à bloc. Il ne s'agit pas de séduire les gamins, de les draguer en leur disant « vous allez voir, vous allez venir, on va vous parquer au practice ». Et quand vous donnez un goûter. Pour aller sur le parcours, il faut leur proposer du jeu, il faut leur proposer de la compétition. Et ça, c'est un travail de fond. Et si on doit faire une autocritique pour la fédération, c'est sans doute quelque chose sur lequel on n'a pas assez poussé. On a créé le moteur, venez les gamins dans les golfs, mais il faut aller plus loin. Il faut les départs avancés, il faut les drapeaux, il faut l'offre de compétition. Sans ça, on ne réussira pas à transformer l'essai. Rémi a levé le doigt. Excuse-moi. Donc on va laisser Rémi. On a parlé de la reprise du golf et les conditions dans lesquelles nous allons reprendre le golf pour les joueurs amateurs. On a parlé là des enseignants qui vont pouvoir, grâce à l'accueil des non-golfeurs, des enfants non-golfeurs, reprendre une activité. Là, je me fais le porte-parole des joueurs professionnels qui gagnent leur vie avec le golf, avec la pratique du golf. Professionnels, quand vont-ils pouvoir refaire leur métier, retravailler, et est-ce qu'on peut leur proposer des tournois à huis clos, puisque on n'a pas besoin, enfin, ils n'ont pas besoin de spectateurs pour refaire leur métier, respecter les gestes barrières et pourquoi pas rejouer. Question. Alors, sur le
l'entraînement et après la pratique compétitive en tant que telle. Sur l'entraînement, ce qui a été dit très clairement par la ministre notamment, mais confirmé, on va dire, par le gouvernement, en tout cas les pouvoirs publics, c'est que l'objectif, c'est que les sportifs de haut niveau, et donc les golfeurs, puissent reprendre le chemin de l'entraînement le plus tôt possible à côté du 11 mai. Alors, est-ce que ça sera le 11, est-ce que ça sera le 15, le 18, je ne sais pas vous le dire, mais le principe, c'est celui-là. Donc, ça fait partie des questions qu'on a posées aussi pour les joueurs pro, qui nous posent eux-mêmes la question. Et nous, on veut monter dans ce wagon-là. On veut que nos sportifs, même si ce n'est pas dans tous les clubs de France, même si ça se fait de manière progressive, ils puissent le plus tôt possible aller s'entraîner. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, pour les tournois, nous, ce qu'on met en œuvre, on en est évidemment désolé, il y a des épreuves qui ont dû être annulées, y compris l'Open de France. On veut, qu'il s'agisse des épreuves amateurs, qu'il s'agisse des épreuves pro, on veut tout mettre en œuvre pour que, dès que ça sera possible, plus vraisemblablement aux alentours du mois de juillet que du mois de mai, des épreuves puissent être organisées, parce que l'idée, ça va être de rester à l'intérieur d'une jauge. Alors, est-ce que ça sera 100 personnes? Est-ce que ça sera 500 personnes? On ne l'a pas aujourd'hui, la jauge, et on s'organisera en conséquence. Mais l'idée, c'est bien que le jeu reprenne, que la compétition puisse reprendre, y compris pour les joueurs pro. Et pour parler du Challenge Tour, c'est un très bon exemple. On avait 4 tournois de Challenge Tour en France. Il y en a 2. On a été contraint, avec les promoteurs, avec les clubs, d'annoncer l'annulation. Mais il y en a 2 autres qui sont encore aujourd'hui dans le calendrier. Le Open de Provence, ça c'est en septembre. Et puis l'Open de Saint-Omer en octobre. Et on veut évidemment tout faire pour que ces épreuves se jouent, y compris si elles devaient se tenir à huis clos. Parce que pour l'Open de France, c'est le plan qu'on a étudié aussi, l'organiser à huis clos. Mais finalement, ce qui a posé problème, ce n'est pas notre capacité d'accueillir l'épreuve à huis clos, c'est le fait qu'on ne savait pas si les joueurs allaient pouvoir se déplacer, dans quelles conditions, est-ce qu'ils allaient pouvoir loger. Donc pour répondre en synthèse à ta question, l'idée c'est bien de faire reprendre le jeu, la compétition, les pros, dès que possible. Guillaume, je te remercie. La parole. Guillaume, mais d'abord, il y a Alex Lévy qui nous suit également. Et qui nous dit qu'il faudrait également un grand champion pour faire rêver les jeunes. On compte aussi sur toi, évidemment. Alex, on y croit toujours. Oui, Christophe. Alors, ça, c'est ma question fétiche, Alex. Merci. Parce que moi, le premier, vous connaissez mon parcours, mon attachement au jeu et ma passion pour le golf, y compris de compétition. Et pendant très, très longtemps, j'ai cru que ce qui manquait au golf, c'était l'effet Noah des années 80. Donc, comme vous tous, et y compris comme Alex, on a travaillé sur ce sujet-là. Et puis, on a investigué aussi, je ne vais pas faire une thèse sur le sujet, hein, mais simplement vous donner quelques marqueurs extrêmement intéressants d'un point de vue statistique. Alors, on pourrait jouer au juste prix, C+, C-. On commence par le sport roi en France. En 98, est-ce que après la victoire de la France, il y a eu plus de gamins de moins de 16 ans qui se sont rués dans les clubs? Oui. Oui, à peu près 15% de gamins l'année qui a suivi. En 2018, après la deuxième victoire de la France, est-ce qu'il y a eu plus de gamins qui se sont rués dans les clubs de foot pour jouer au foot? La réponse est non, moins 15%. Ça, c'est pour le foot. Je vous parle du tennis espagnol. Le tennis espagnol, sous l'ère Nadal, il a perdu 30% de juniors et à peu près autant de joueurs adultes. Le golf irlandais. En 2004, il y avait 288 000 joueurs, Irlande du Sud, Irlande du Nord. En 2016, il n'y a plus que 180 000 joueurs en Irlande. C'est la Bérésina sur le golf junior en Irlande. J'arrête là les exemples. On pourrait faire une émission spéciale sur le sujet. Je pourrais vous parler du tennis suisse, du judo hawaïen, etc. Les statistiques sont têtues. Le fait d'avoir un champion aujourd'hui, ce n'est plus le levier essentiel. Attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas qu'Alex Lévy gagne le Masters l'année prochaine. Bien évidemment, on veut un champion, on veut une championne, et c'est une responsabilité ultra importante pour la fédération de tout mettre en œuvre pour y arriver. Donc, ce que je dis là, ce n'est pas une raison de se dédouaner. Mais le golf suédois... Oui, parce que ça fait partie du projet de Pascal aussi, quand il a évoqué la semaine dernière, c'est d'avoir le golf plus suédois, en plus de champions. Malgré Annika Sörenstam, malgré Henrik Stenson, ils ont perdu 25% de licenciés jeunes et 6% de licenciés adultes au cours des 10 dernières années. Donc, ce qui est aujourd'hui déterminant pour développer une pratique, c'est l'offre de pratique. Il faut que vous puissiez jouer, il faut qu'on sache qu'on peut jouer,
Donc, il y a un vrai travail de communication, de marketing sur l'intérêt de jouer au golf. Il faut que ce soit, pour ainsi dire, au coin de la rue. Les 100 petits équipements, c'est un projet qui nous est envié du monde entier. Hein, je ne plaisante pas là-dessus. Ça a été repris par l'USGA, ça a été repris par le RNA. Donc, c'est l'offre de pratique de proximité. Et puis derrière, il faut évidemment l'offre. Guillaume pourrait en parler au Vaudreuil. Des produits d'enseignement sympas, ludiques, une offre pour toute la famille, la banane, des enseignants qui ont en charge, qui sont des ambassadeurs de la pratique. C'est véritablement ça, les leviers qui vont nous permettre de développer le golf. Même si avoir un grand champion, ça aide. Je termine sur une stat là-dessus. 2014, la belle année de Victor Dubuisson, la belle année du golf français, la belle année de Karine Hichet. C'est la pire année de licence qu'on ait connue. Moins 2% de licence entre 2013 et 2014 et moins 1,4% entre 2014 et 2015. Guillaume, donc, on a besoin de l'offre de pratique. C'est vraiment ça le message. Guillaume. Oui. C'est à toi. Sur quel sujet, Arnaud ? Sur ce que tu veux. Non, mais pour rebondir là, attends, juste parce que… Deux sujets pour moi. Un sujet qui est le Challenge Tour, je veux en dire un mot. Et avant de dire le Challenge Tour que malheureusement on a dû annuler au Vaudreuil, et en quelques mots je vais expliquer pourquoi et c'est tout à fait logique, et je vais surtout rebondir sur ce que vient de dire Christophe, sur ce qui était d'ailleurs le débat du jour, pourquoi il n'y a pas plus de licenciés au golf. Je pense que Christophe a été très pertinent sur le fait qu'un grand champion c'est important, mais ça sera pas, il ne viendra pas magicien, il va pas rapporter ce grand champion, il créera pas 100 000 licences, 100 000 licenciés tout de suite. Je pense que va, la fédération ça va main dans la main quand même. Souvent. Ça va main ouais. dans la main. Ouais, mais après parce que les jeunes, il faut qu'ils rêvent. Alex, il a raison. Laisse finir Guillaume Lewis. Christophe, pour moi, a mis le doigt sur la chose qui est essentielle pour le développement des licenciés. Essentiel. C'est bon, on en a parlé, le golf scolaire, mais le golf de proximité. Aujourd'hui, tout le monde attend que la fédération, qu'elle crée quelque chose de phénoménal et on va avoir 100 000 licenciés de plus. Mais le premier job à faire, c'est nous, dans les clubs, d'aller dans le village du coin, de faire des initiations, d'aller voir d'autres associations. Nous, c'est ce qu'on va essayer de faire l'année prochaine, d'aller voir les tennisman et leurs tennisman dire bah, « Hey, venez jouer au golf de temps en temps, nous, on essaiera de venir jouer au tennis », d'aller voir les associations de personnes un tout petit peu plus âgées pour dynamiser un petit peu leur activité. C'est à nous localement, parce que souvent, c'est la fédération qui fait pas cette chose. Localement, il suffit de sortir du golf et déjà de faire quelques actions et quelques opérations qui vont nous permettre, comme le disait Christophe, localement d'attirer les gens. On va pas aller attirer… l'école qui a trois quarts d'heure de chez nous, mais par contre, si on a la chance d'avoir une école à 2 minutes, déjà, faut aller la voir. Donc, je pense que le côté local et que chacun se responsabilise, que chaque golf se responsabilise en disant, OK, moi aussi, j'ai une part importante dans le développement du golf en essayant localement de faire quelque chose. Mais je pense que Rémi, à Montgriffon, avec les initiatives que vous mettez en place, avec Christophe Fouquet, le directeur, vous allez sur les parkings des jardineries avec un atelier gonflable. Fabuleux. Vous vendez. Rémi l'a fait ça d'ailleurs. Hein. Rémi Bédu, pour en parler, Rémi, toi tu l'as fait, t'as été au premier rang là-dessus, donc tu peux en parler de ton expérience. Alors continue parce qu'il va pas rester longtemps. Continue Christophe sur ce que tu voulais dire. Vas-y. Non, mais je peux aller jusqu'à 18h, mais j'ai vraiment un truc après à 18h. Mais Rémi, je t'en prie, c'est une super initiative et on cherche d'ailleurs à la dupliquer avec les opérations Golf Tour, etc. Alors, en fait, moi, je vais pas me mettre en avant. Je vais mettre en avant plutôt l'action. En fait, l'idée, c'est que avant d'arriver à Montgriffon, j'ai été directeur du golf de Sully-sur-Loire, et il fallait que je relance le golf de Sully-sur-Loire. Donc, j'ai pris une structure gonflable, j'ai pris mes cibles, mes balles de tennis, et j'ai été faire les marchés. Des villes qui entourent Sully-sur-Loire. Au départ, tout le monde a rigolé. Et là, je tiens à noter que en fait, j'étais sous tutorat YouGolf quand j'étais à Sully-sur-Loire. Et c'est Emmanuel Jacquet qui m'a dit: Rémi, laisse les autres rire, continue ton truc et tu vas voir. Et c'est ça qui a amené de nouveaux golfeurs au golf de Sully. Et quand j'ai quitté Sully-sur-Loire et que je suis revenu à Montgriffon, cette fois-ci en tant qu'enseignant, avec Christophe Fouquet, on a dit, on va refaire ce principe-là. Et en effet, on a été dans les supermarchés et dans les magasins de jardinage. Et ça a cartonné. On a eu à la fois des adultes, et les adultes nous ont amené les enfants. Et oui, on a créé des nouveaux golfeurs.
L'atout que l'on a à Montgriffon, c'est qu'on a un tout petit parcours, un petit parcours compact, et on a un putting green qu'on transforme justement en petit parcours. Et là où il faut, et je rejoins Christophe, il faut donner l'opportunité aux jeunes golfeurs de pratiquer sur le parcours avec des parcours qui sont adaptés. On peut pas emmener les enfants sur des grands parcours qui sont fréquentés par les adultes, qui sont des bons joueurs. C'est comme si tu allais faire de la trottinette sur un parcours de Formule 1. Donc il faut vraiment des structures qui soient adaptées. Donc les 100 petites structures, c'est vraiment super. C'est la solution. Christophe, tu veux dire à ça? Adapté. Non, je suis 100% disponible sur les opérations de proximité à fond. Vas-y Guillaume. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Rémi sur le fait d'avoir un parcours à la fois adapté et c'est bête, mais à la fois disponible. Ouais. On sait que les jeunes qui ont école de golf le mercredi après-midi, on sait qu'en général le parcours va être plus disponible qu'un samedi. Connaît les difficultés financières qu'ont les golfs aujourd'hui, alors même avant le Covid, hein, mais d'avoir ce besoin de revenus principalement le week-end, il est évident que les green fees malheureusement parfois passent avant les jeunes et je connais pas mal de golf et on essaie d'être vigilant là-dessus au golf du Vaudreuil, les jeunes le samedi ont envie d'aller sur le parcours et si ça se trouve tout le long de l'année il y a plein d'endroits où s'ils sont à l'école de golf le samedi ils ne vont pas connaître le parcours parce qu'il y a de l'affluence et parce que le golf a besoin de gagner sa vie. Donc pour moi les petits parcours, les golfs effectivement proximité, pour moi l'avenir aussi d'une augmentation de licenciés important. Mais pour moi, je répète, excusez-moi, je vais être un peu… On doit tous être aussi se sentir responsable de cette évolution et ne pas être attentiste et attendre que la fédération fasse quelque chose de magique. Ils font déjà beaucoup de choses, la fédération. C'est à nous aussi d'être responsables et d'aller localement faire des actions et faire des opérations comme celle que tu as faite, bien évidemment, Rémi, qui est formidable. Même des choses qui peuvent paraître complètement loufoques, dès l'instant où on peut toucher des gens et leur faire goûter à ce sport formidable, on réussira à augmenter la pratique, en tout cas le nombre de licences. Guillaume, tu voulais parler de l'organisation du Challenge Tour au Vaudreuil. Vas-y, développe. Oui, alors là, je change un petit peu de sujet, mais comme vous avez évoqué le sujet, comme Christophe, tu as évoqué le sujet du Challenge Tour et au Vaudreuil, bien évidemment, on est attristé, c'est pour nous et Jean-Claude Forestier le premier qui a été obligé de prendre cette décision horrible pour tous ceux qui connaissent, vous savez à quel point c'est quelqu'un de généreux et attaché aux valeurs du golf professionnel et ça a été un crève-cœur que d'être obligé d'annuler ce Challenge Tour, mais pour des notions extrêmement logiques qui sont déjà, on est mi-juillet pour notre Challenge Tour, donc c'est extrêmement compliqué et on sait que, je dirais, les événements avec un nombre de supporters importants ne peuvent pas avoir lieu avant mi-juillet. Et puis, je vais être tout à fait franc et transparent d'un point de vue économique, il est extrêmement compliqué aujourd'hui d'aller solliciter des partenaires pour qui le seul objectif est de faire en sorte que de pas mettre la clé sous la porte pour certains et d'avoir plus une solidarité vis-à-vis de leurs salariés que de dépenser de l'argent en communication, en marketing et tout ce qui est lié à un tournoi de golf. Donc, ces deux facteurs de proximité, en tout cas, le 15 juillet, c'est demain, donc ça va arriver très vite. On ne sait pas où on sera d'un point de vue sanitaire et en plus de ça, c'est aujourd'hui, donc ça a été les deux raisons, mais qui sont horribles. Alors, il y a des choses beaucoup plus horribles, vous me direz, mais pour nous, c'est un événement tellement important qu'on est très triste et on est très, 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 très triste aussi vis-à-vis des joueurs professionnels, bien évidemment. Un point sur la pratique, sur deux idées hein, sur lesquelles on creuse et elles peuvent paraître comme ça simplistes, voire évidentes, mais il faut bien les avoir à l'esprit. Les études qu'on a pu mener, que ce soit à l'échelle française ou encore une fois avec les autres fédés européennes, on échange beaucoup avec les Suédois, ils font des trucs super, c'est le sport numéro un, le golf en Suède. Donc, y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Bon. Parmi les initiatives qui ont pu être menées, on pense notamment à ce qui a pu être fait en Autriche ou en Allemagne, c'est un truc qu'on nous dit souvent, « Ouais, mais en fait, le golf pour les gamins, c'est trop cher, c'est pour ça que ça ne se développe pas. Bon. » Eux, ils ont fait la mécanique inverse. Ils ont testé à grande échelle le fait que les clubs allaient accueillir gratuitement les gamins. Quelle a été la conséquence? Ils ont perdu des gamins dans les écoles de golf. Pourquoi?
parce que les clubs, ils ont assimilé ça à mettre moins de qualité, donc il y avait moins d'heures de pro, les gamins étaient livrés à eux-mêmes, il y avait moins d'encadrement, ils n'allaient plus sur le parcours. Donc, c'est l'intérêt de la pratique en tant que telle qui était amoindri, et donc, ils n'ont pas assez lu de gamins. En Suède, ils ont perdu les gamins aussi, hein, beaucoup, hein, je disais plus de 20% là, sur les 10 dernières années, et ils repartent là, et la manière dont ils sont repartis, c'est en créant une offre de contenu, que ce soit d'un point de vue pédagogique, de compétition, de jeu sur le parcours. En clair, ils ont monté la barre en termes de contenu en demandant un prix un petit peu plus élevé, hein, l'équivalent de 50 € de plus par gamin par an sur leur prix qui était de l'ordre de 300-350 €, qui n'était pas nul hein, déjà. Donc, ils ont monté les prix et ils ont mis plus de qualité. Et c'est en montant les prix qu'ils ont acheté aussi des créneaux pour pouvoir amener les gamins sur le parcours. Donc, il ne faut pas qu'on raisonne parfois à l'envers. On a tendance à penser que le principal frein, c'est le coût de la pratique. Ce n'est pas le cas. Le principal frein, parfois, c'est le manque d'intérêt de ce qu'on est en capacité à proposer. La qualité. La qualité. Et l'autre truc, c'est la famille. Je parlais tout à l'heure, donc, goal scolaire, succès d'image, mais parfois, taux de transformation extrêmement faible. Et là aussi, il faut qu'on regarde des choses en face. Les golfeurs, aujourd'hui, les jeunes golfeurs, même si on est ravis quand il y a des gamins dont les parents ne sont pas golfeurs, évidemment, qui viennent frapper à la porte d'un club et qui parfois deviennent des champions, il y en a plein comme ça. Malgré tout, il y a un très, très grand nombre, une immense majorité de gamins qui viennent au golf parce qu'il y a un attachement familial. Alors, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, bon. Et il faut véritablement que nos clubs soient en capacité de traiter cette dimension en ayant également une offre d'enseignement tournée vers la famille, ce qui fait parfois un petit peu défaut. Et là aussi, on le voit en Scandinavie, hein, la dimension familiale, elle est extrêmement importante. Et ils ont développé, notamment au Danemark, en Norvège et en Suède, cette capacité à accueillir des familles le samedi après-midi, tous ensemble, etc. Et nous ça l'avons. Marche extrêmement bien. Mais nous l'avons. Je sais le fait. Et nous avons l'école de golf des parents en simultané avec l'école de golf des enfants, parce que on ne veut pas que les parents restent dans la voiture sur le c'est parking à attendre les enfants. On l'a, Montgriffon. Et du reste, Christophe, si tu veux venir au golf de Montgriffon, tu es pas très loin hein, avec l'Isle-Adam, tu peux venir. Et oui, je suis désolé, mais Guillaume a levé le doigt, donc je lui donne la parole. Non, mais c'est juste pour rebondir là aussi sur ce que disait Christophe, sur la gratuité. La gratuité, oui, on a tous rêvé de faire une école de golf gratuite, que les enfants viennent. Mais je pense qu'il faut être aussi hyper pragmatique et il ne faut pas vendre du rêve à une chose qui... Ouais. Le golf, on a beau dire tout ce qu'on veut, et alors peut-être que ça va faire bondir des gens qui nous écoutent, mais aujourd'hui, la pratique du golf, je suis désolé de le dire, et ça sera toujours un frein et ça sera toujours limitant pour notre sport, mais ça coûte un minimum d'argent, encore plus, et c'est là où il ne faut pas leurrer les gens. Si on a un jeune qui vient à l'école de golf, qui commence à accrocher, où tout a été gratuit, il y a un moment, ça ne pourra plus être gratuit. Encore plus en ce moment où les clubs vont avoir de moins en moins les moyens d'aider les jeunes amateurs à droite à gauche. Donc, je pense aussi qu'il faut être hyper, hyper réaliste et pas vendre du rêve à tout le monde. Aujourd'hui, la pratique du golf, au départ, effectivement, que c'est pas très cher si vous achetez une demi-série chez Golf Plus et que vous tapez des balles à Longchamp. OK. Mais sauf qu'au bout d'un moment, vous avez envie d'aller, entre guillemets, ce que j'appelle dans la vraie vie, d'avoir des clubs, une série entière, d'aller sur un parcours, sur un vrai parcours, une fille un peu plus important. Et je pense. Je pense qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, il ne faut pas raconter d'histoire aux gens à ce niveau-là. Donc, non, mais on a comme pas le disait Christophe, plus, hein, Guillaume. Absolument, complètement. Parce que le prix de la pratique, alors on a tous et des amis, des enfants d'amis, ceux qui nous écoutent, des enfants, des petits-enfants. Le prix des activités sportives ou culturelles, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas donné. Hein, donc, faut pas croire que le golf, avec un prix moyen de cotisation à l'année, qui est aux alentours de 250 €, hein, ce qui est sorti dans l'étude EY Ernst & Young là, qu'on a fait en 2018, le prix de la pratique pour un gamin à l'année, le prix moyen, c'est 250 €. Ben, je peux vous assurer qu'il y a un paquet d'activités sportives qui sont beaucoup plus chères que ça. Alors après, je ne dis pas, si évidemment vous commencez à jouer les grands prix jeunes, que vous jouez un paquet d'épreuves, et c'est d'ailleurs un problème, ça peut coûter beaucoup plus d'argent que ça. Mais pour jouer dans un club, une cotisation jeune, c'est bien moins cher, par exemple, qu'une cotisation dans un club d'équitation. Or, en équitation, 600 000 licenciés, ils ont à peu près la moitié, 300 000 licenciés de moins de 18 ans. Nous, au golf, un peu plus de 400 000 licenciés, on a
12% de licenciés de moins de 18 ans. Donc, il ne faut pas tout ramener à cette dimension économique. Ça peut être un frein, c'est vrai, mais il ne faut pas s'abriter derrière cet élément-là. Alors, justement, la pratique à haut niveau amateur, tu dis qu'elle est coûteuse, Christophe. Est-ce qu'on pourrait arrêter l'hypocrisie du statut amateur de haut niveau et acceptons le crowdfunding et acceptons que les meilleurs joueurs amateurs puissent être sponsorisés? Alors, on a répondu… Rémi, il est bien renseigné parce que, vous savez, le RNA et l'USJR, hein, c'est les deux entités qui ont en charge les règles du statut amateur à l'échelle planétaire, même si le RNA représente 180 pays. De l'autre côté, l'USJS, c'est uniquement les États-Unis et le Mexique. Mais au global, il couvre l'ensemble du... Donc, sur le statut amateur, tu as raison, hypocrisie, c'est le cas, parce que les règles du statut amateur en vigueur aujourd'hui, elles ne sont plus adaptées à la réalité de la pratique. Merci. Mais il faut rappeler que ce n'est pas des règles imposées par la FFG, c'est des règles du RNA. Parce que souvent, en France, on a tendance à dire c'est la FFG qui bloque, etc. Je n'ai pas dit que c'était toi, Rémi, t'inquiète pas. D'accord. Je n'ai pas dit que c'était toi. Non, mais c'est vrai. Je veux dire qu'en France, en général, la tendance. Donc, il y a une étude et on a été interrogé, on a rendu notre copie et ça fait partie des mesures sur lesquelles on a dit stop. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi parce que sans ça, même pour l'enseignement, ça peut vite être problématique. Hein. Si n'importe qui se met à donner des leçons n'importe où, n'importe comment, ça ne va pas non plus. Donc, il faut encadrer ça, mais il faut libéraliser. Et quand tu évoquais cette possibilité de crowdfunding, le fait que les gamins puissent avoir une association, que ça passe par l'association du club, qui puissent cagnoter aussi, c'est-à-dire imaginer un équipementier qui dit « moi, je veux miser sur tel gamin, je vais mettre 10 000 balles par an sur le gamin, et quand il passera pro, parce qu'il y en a beaucoup qui passent pro, eh bien, il pourra utiliser ses crédits. » Donc, il faut à la fois financer la carrière amateur du joueur et commencer à lui préparer sa carrière professionnelle. Je pense que quand Tiger Woods il a signé son contrat avec Nike, à l'époque, on disait 10 millions de dollars par an, c'était démentiel. On voit bien que McIlroy, avec 25 millions de dollars par an, les échelles changent année après année. Mais bref, il s'était fait financer sa carrière amateur, notamment par Titleist et Nike, Akushnet et Nike à l'époque. Woods. Donc, il faut effectivement encadrer plutôt que d'inciter les parents et les gamins à la gruge. Ça n'a pas de sens. Christophe, pour conclure, parce qu'il est bientôt 18h et tu vas devoir nous quitter malheureusement, mais... Je voudrais revenir sur cette ouverture pour le 11 mai. Quelles sont les échéances qui vont arriver? Quelles sont les prochaines étapes, Christophe? Alors, le 13 avril, quand le chef de l'État a pris la parole, il a donné une feuille de route très claire au gouvernement. Il a dit le gouvernement, par la voix du Premier ministre, devra sous 15 jours me proposer les mesures qui accompagneront le déconfinement. Donc, il y a un conseil des ministres mercredi prochain, à l'occasion duquel ils vont plancher sur ce plan de déconfinement. Et on attend des mesures officielles aux alentours du 28-29 avril. Je pense que d'ici là, c'est extrêmement périlleux de privilégier un scénario ou un autre, parce que vous le voyez, ça change tous les jours, ça change d'heure en heure. Donc, nous, ce qui est, pour ainsi dire, pratiquement acquis, sauf drame sanitaire, c'est que, évidemment, le 15 juin, les golfs vont réouvrir. Mais ce n'est pas ça, nous, qu'on cible. C'est que ce soit le plus proche possible du 11 mai. On a fait valoir une tonne d'arguments, on a coché l'ensemble des cases et on va continuer de se battre pour que ce soit le cas et que ça devienne une réalité. Super. Merci, merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous. Merci à vous, messieurs. Merci. Merci, et on compte sur vous et sur la Fédé. On sait qu'on peut compter sur vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Christophe. À bientôt. Merci. Bye bye. À bientôt. Oh, ça y est, on est tous les quatre, les gars. On va pouvoir dire tout ce qu'on veut. On a raté l'opportunité parce que Christophe a dit si vous voulez m'inviter pour parler de dans une émission, il y a de quoi faire une émission sur comment avoir un champion. Et on l'a même pas saisi, l'opportunité. On lui redemandera. Alors, comment faire un champion? Il est toujours là. Ce que je vous disais, c'est sûr. Regardez le judo.
Teddy Riner, avant lui Douillet, etc. Et bah, le judo, il perd des licenciés, il perd des pratiquants. Ouais, mais tu vois, Christophe, juste pour finir là-dessus, moi, j'ai grandi dans le milieu du basket et quand même, quand tu pratiques un sport, c'est quand même important. Ah, mais t'en as besoin. D'avoir t'en l'inspiration. As besoin. Et toi qui as été un très, très bon joueur, tu le sais aussi. J'en suis sûr que tu as été inspiré aussi. Donc, je pense que les deux vont vraiment main dans la main. Je pense que l'un va pas sans l'autre. Je pense que les deux, on les fait évoluer ensemble et ça va. C'est ça qui, je pense, va vraiment contribuer à. Et tout ce que tu sais, Tony Parker, il a dit un truc très juste là-dessus. Il a dit, moi, ce qui m'a donné envie d'être au plus haut niveau, etc., c'est pas Richard Dacoury, c'est Michael Jordan. Donc, je pense que ce qui pèse, c'est l'icône médiatique, top, etc. Et regarde, et je sais que toi, tu as une double culture. Et Justin Rose lui-même, il dit, bah, moi, machin, je suis champion olympique. Il est évidemment très fier de ses résultats, etc. Et puis, s'il y a une nation forte en golf, c'est bien le golf anglais, même encore plus que britannique. Ils perdent des golfeurs tous les jours et ils ne savent pas comment endiguer ce truc-là. Pourquoi ? Parce que leurs clubs de golf ne sont pas capables d'élaborer une offre. Et je pense là-dessus, je ne vais pas faire de cocorico, mais je pense que nous, on est vachement mieux armés oui. Parce qu'on a une compréhension plus fine de ces enjeux de développement de la pratique. Complètement. Là, je suis complètement en face avec ce que tu viens de dire, oui. Oui, la Fédération française. Merci encore ouais. Beaucoup, c'était top. Allez, merci beaucoup, Christophe. Merci. Et j'enchaîne. Allez, on compte sur vous. Encore merci, Christophe. Merci beaucoup. Merci, les gars. Bye-bye. Merci beaucoup. Moi, je n'ose pas parler. On ne sait pas s'il est parti ou pas. Attends. Pour le coup, je vais vraiment le faire partir. Non. Bon, on est toujours en live, messieurs. On est toujours en live. On est toujours tous les quatre connectés. Voilà, Christophe vient nous quitter. On a passé une super heure ensemble. Est-ce que vous souhaitez qu'on élabore un tout petit peu sur les différents éléments qui ont été communiqués? Est-ce que Arnaud? Ouais, vas-y. On va pas rester encore des heures, mais en revanche, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce dont on vient de parler avec Christophe, d'un point de vue pratique. Guillaume, est-ce que vous avez commencé déjà à réfléchir au Vaudreuil, à ce qui va se passer le 11 mai ou pas? Où est-ce que vous en êtes, vous, du côté d'un golf comme le Vaudreuil? Donc, je répète, tu es le directeur pro. Bien sûr, dès l'instant où on a su que ça pouvait être une opportunité, en tout cas qu'on allait avoir la chance, si on le souhaitait, d'accueillir des jeunes, c'est bien évidemment quelque chose qu'on a mis immédiatement en avant avec déjà les écoles du Vaudreuil en lui-même. Il y a plusieurs écoles, que ça soit école publique, privée, nous, ça nous pose aucun problème. Et on s'est rapproché de la collectivité, en tout cas du maire du Vaudreuil, en disant « Ok, nous, on est prêts à accueillir les jeunes ». Déjà, quel va être le volume de temps dont, je dirais, la mairie du Vaudreuil aura besoin pour soulager les écoles, et à partir de là, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour transporter les enfants depuis leur école jusqu'au golf? Nous, on a la chance d'avoir un golf qui est très très proche du centre-ville, donc qui n'est pas très loin, et le maire nous a immédiatement dit, je vous mets les cars à disposition, il n'y a aucun problème, donc bien évidemment que la démarche est enclenchée et que, comme je disais au début de cet entretien, de cette interview avec Christophe Muneza, il y a ces trois facteurs solidaires, économiques et opportunités qui sont absolument géniales et on n'attend que ça, de pouvoir ouvrir et d'accueillir les enfants. Mais bien évidemment que tout est mis en place. J'ai une question, messieurs, parce que je trouve que c'est quelque chose qui a peu été abordé. Alors évidemment, avec le temps limité qu'on avait avec Christophe, qui était un peu plus, on va dire, sur le comment on va sortir de ce confinement, etc., etc. Bon, maintenant qu'on se retrouve entre pros et avec un amateur de très très bon niveau, qui tire très bien, qui tire très bien. La question, c'est maintenant, comment est-ce qu'on fait aimer le golf à ces non golfeurs qui vont arriver, parce que je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été évoqué. Et l'essentiel même de créer des nouveaux golfeurs, c'est qu'ils aiment le golf. Enfin, tu vois, ça paraît très simpliste, c'est pas facile, mais c'est simple dans son explication. C'est il faut faire aimer le golf aux personnes qui viennent au golf. Donc, du coup, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Parce que je sais qu'on est dans trois golfs différents et qu'on a trois systèmes de pédagogie d'enseignement qui sont différents aussi. Donc, comment est-ce que vous allez vous organiser pour faire aimer le golf à ces non-golfeurs? Guillaume a levé la main. Je pense que Rémi va nous apporter beaucoup de choses sur ce sujet parce qu'il connaît ce sujet très bien. Moi, la seule chose sur laquelle je pense qu'aussi on a beaucoup de chance, c'est que là, les enfants, ils vont avoir passé 2 mois ou un peu plus de 2 mois chez eux enfermés. Donc, ils vont aussi avoir, je dirais, cette envie d'être dehors, cette envie d'être à l'extérieur. Et là aussi, c'est un point très positif. C'est un point super positif parce que ça fait 2 mois qu'ils font rien. Et là, ils vont pouvoir être dans la nature, ils vont pouvoir être dans un climat
ou qui va être génial, ça y est, ils ressortent de chez eux. Donc, je pense qu'ils vont en plus avoir, être en demande et qu'ils vont être, ils vont être hyper, hyper ouverts sur le sujet. Et ça aussi, c'est une vraie opportunité. Ils vont arriver en étant super ouverts. Au-delà aussi après, du confinement, dans le monde où on évolue aujourd'hui avec les jeunes qui ont accès aux réseaux sociaux, au téléphone, où ils y sont la majorité de la journée, les parents ont aussi envie, je pense, d'encourager leurs enfants à plus sortir, à plus aller donc s'orienter vers des sports comme le golf où on est en plein air, on est dans la nature, on passe 4 à 5 heures où on est sociable, on crée des nouveaux amis, on découvre des nouvelles personnes, on apprend à gagner de la confiance en soi, toutes les choses merveilleuses que le golf nous offre, qu'on trouve de moins en moins dans la réalité de la société d'aujourd'hui avec justement l'accès à toutes ces technologies, les réseaux, etc., dont les enfants deviennent de plus en plus accros. Donc, il y a ce côté-là aussi, en dehors du confinement, je pense, qui est important. Rémi, alors là, moi, merci de me tendre une telle perche, puisque je vous donne rendez-vous lundi à 14h, puisque le thème du live du journal du golf sera le golf junior. J'aurai comme invité Laurent Poncelet, qui travaille au golf d'Osgore et qui a une école de golf super dynamique. J'ai l'interview d'Olivier Reynal qui travaille sur la Ligue Rhône-Alpes. Je vais avoir comme invité Alexandre Bosseret qui est l'entraîneur de l'équipe de France des U14. Et toute la pub de ces lives la semaine prochaine. Là. C'est aller voir Rémi la semaine prochaine. Yann Massena. Donc tout ça lundi à 14h. On débriefera tous ensemble justement de comment on peut attirer les enfants au golf et comment on peut avoir une école de golf performante. Et je vous donne déjà le résultat parce que je vous aime bien. C'est fun, fun, fun. Du fun, du fun, du fun. Je rappelle, il y a Raphaël Jacquelin que j'ai eu donc en live il y a une semaine et demie ou deux semaines. Il parlait de lui quand il était jeune et quand il a commencé le golf. Et on parle des années 80-90, il me semble. Et Raphaël disait qu'avant qu'il joue au golf, le golf était un sport avant que ça devienne du golf. Donc le fait d'avoir cette notion que les enfants voient ça comme un sport avant que ça soit du golf, je pense que c'est peut-être une des missions les plus importantes qu'on a en tant que coach, de leur faire découvrir le golf d'une façon sportive. Guillaume ? Oui. Je suis un peu comme Rémi et je fais un peu la moue. On sait que si on revient sur Raphaël Jacquelin, c'est quelqu'un qui est depuis le départ hyper sportif, hyper bon au foot. Moi, je suis pour, un petit peu comme Rémi sur ce sujet-là. Moi, ce que je souhaite et que mes enseignants mettent en place et que je vais mettre bien évidemment en place avec eux pour le déconfinement avec les jeunes qui vont venir, c'est qu'ils arrivent et qu'il y ait des fun avec des couleurs partout, que ça soit organisé et qu'ils arrivent comme s'ils étaient dans un parc d'attractions. Parc d'attractions du golf. Alors, avec les règles de sécurité, avec quand même un minimum d'apprentissage. Mais déjà qu'ils arrivent et qu'ils aient les yeux comme ça, des couleurs, des situations. Alors, sur le terme parc d'attractions, j'exagère un peu, mais pas loin. Et que Guillaume, là, ils disent, okay, toi qui as été formé comme moi en TPI, donc tu es avec l'ES Performance Institute, Rémi, je ne sais pas si tu as fait les formations TPI ou pas pour les jeunes? Pas celle pour les jeunes, j'ai fait le level 1. Donc Guillaume, on sait quand justement chez TPI, ils ont été un petit peu, il y a 10-15 ans, ils ont été un petit peu innovateurs dans ce domaine-là où ils ont justement expliqué que dès le plus jeune âge, c'était important que les jeunes jouent à multiples sports et que quand ils venaient au golf, que justement dans un cours de golf pour les jeunes, il fallait justement encourager le fait de mélanger les plusieurs sports pour donner envie aux gamins de revenir et de revenir avec des amis et que ça soit fun et ludique. Ils ont même créé une formation exprès pour les juniors qui accompagnait les enfants de l'âge de 3-4 ans jusqu'à l'âge de 18 ans et de montrer à quel point tu pouvais développer le fun, mais en même temps développer l'athlète avant le golfeur. N'est-ce pas, alors, Guillaume? Ouais, pour moi, je rejoins Guillaume. Avant que ça soit un sport, il faut que ça soit une activité où tu as envie de revenir parce que tu te fais des copains, tu te fais des amis. Donc c'est fun, je prends du plaisir. Après, évidemment, c'est un sport. Et puis après, Inch'Allah, on verra bien est-ce qu'on reste en loisir ou est-ce que ça devient de la compétition. Mais il faut avoir envie de revenir. Pour revenir, il faut se faire des copains
et il faut s'amuser. C'est ton côté formateur marocain, ça, Inch'Allah, la tête. Ouais, non, et alors, si tu me lances là-dessus, je salue. Non, mais. Je salue tous les musulmans qui vont commencer le Ramadan et pour qui ça va être compliqué parce que ils sont confinés et c'est pas évident et je pense aux caddies marocains qui n'ont plus aucune ressource en ce moment. Voilà, la parenthèse est terminée. Tu transfères toute cette notion de fun quand tu vas faire tes formations justement dans les pays comme le Maroc et où tu as l'occasion d'aller former auprès de la part de la PGA France. Tu vas former les enseignants, tu instaures cette notion de fun et comment tu le fais? Alors, le premier pays dans lequel je suis intervenu, c'est la Tunisie. J'ai repris la formation derrière feu Jean-Étienne Lafitte, que je remercie encore de m'avoir fait confiance sur ce projet. Ça fait maintenant 8 ans que j'interviens en Tunisie et on intervient dans les écoles. On va avec nos sacs Golf Kids, Short Golf. On va dans les écoles, dans les cours d'école avec les enseignants tunisiens, avec des balles de tennis, avec, comme disait Guillaume tout à l'heure, avec plein de couleurs et c'est très fun. Et en effet, là, depuis 2 ans maintenant au Maroc, et oui, au Maroc, pareil, quand j'interviens dans les formations, et moi j'interviens sur la partie pédagogie, le premier truc, c'est de créer du lien avec les golfeurs. Et c'est la première chose. Après, on parle de sport. Mais Guillaume peut en parler aussi parce qu'il intervient aussi dans les formations, très intéressant, mais je pense surtout qu'il faut qu'on parle et qu'il faut qu'on parle de cette notion très importante qu'a mis Christophe en avant pour les gens qui nous écoutent, de savoir comment on va faire pour que les golfs rouvrent et surtout de bien parler parce que je pense que c'est effectivement une opportunité de faire découvrir déjà en France notre sport à beaucoup d'entre eux, à beaucoup de jeunes. Et je pense que ce sujet que Lewis, tu as mis en avant sur comment est-ce qu'on va faire pour je dirais, là, on a le ballon. On a la balle entre les mains. Transformer l'essai. J'exagère, c'est un peu, je sais pas ce qui me prend, j'ai envie de voir rugby. Mais il va falloir transformer cet essai. Et pour transformer l'essai, je pense qu'il y a plusieurs phases. La première phase, et je rebondis sur ce qu'a dit Rémi, c'est qu'il n'y a pour moi qu'une opportunité, c'est que les gamins, ils soient éclatés. Qu'ils ressortent de là et qu'ils soient éclatés. Aujourd'hui, le golf, on est en concurrence avec d'autres sports, c'est forcé. On est en concurrence avec le foot, on est en concurrence avec le tennis, avec le basket, avec des sports qui bougent beaucoup. Si nous, ils sont en practice pendant 1h30 à taper 3 balles, qu'on leur explique pendant 50 minutes comment faut tenir le club, et avec une organisation qui est au dernier moment, on va chercher pendant une demi-heure les sauts de balle au practice, que rien n'est organisé, on les perd. Je pense que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que dans un premier temps, ils s'éclatent. S'ils s'éclatent, ils ont envie de revenir. C'est sûr. Alors Guillaume, pourquoi ? Dans un deuxième temps, je finis juste. Dans un deuxième temps, ils s'éclatent, ils ont envie de revenir. Si, parce que tous les pros qui nous écoutent et tous les pros PGA, je ne veux pas croire que tous ces pros ne soient pas bons. Tous ces pros sont bons. Si en plus, dans un deuxième temps, ces pros, maintenant qu'ils ont réussi à les faire revenir, arrivent à apporter un tout petit peu de technique dans ce qu'ils font pour qu'ils jouent mieux, parce que ça soit fun, c'est bien, on les a accrochés. Ensuite, si on veut les accrocher une deuxième fois, en réussite, qu'ils progressent et qu'ils jouent bien. Parce que ça soit rigolo, ça va être 2 minutes que ça soit rigolo. Il y a un moment, il faut que la balle parte, de mettre 1 ou 2 putts. Donc, dans un premier temps, on les accroche parce que c'est fun. Dans un deuxième temps, on amène un tout petit peu de mécanique, de technique, d'habileté, bien évidemment, pour qu'ils jouent un peu mieux. Et là, on les a ferrés 2 fois. Et après, on peut rentrer un peu plus dans les détails. Mais je pense qu'il y a des paliers qui sont hyper importants à respecter. De pas mettre la charrue avant les bœufs ou de temps en temps, tout de suite, on rentre dans la technique. Non, déjà, on les accroche. C'est fun, il y a de la couleur. On emploie des termes qui sont des termes jeunes, on les fait s'éclater, on les fait bouger, on les a accrochés. Dans un deuxième temps, ils accrochent, on ajoute juste la dose de technique qui vont faire que ça va être meilleur, que déjà la balle va partir, qu'ils vont commencer à jouer. Et ouais, à partir de là, on rentre dans la phase compétition pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, ils sont accrochés définitivement avec ce sport. Et je pense que c'est là où de temps en temps, et moi le premier, hein, bien évidemment, on fait des erreurs, on veut tout de suite qu'ils soient hyper performants. 1, on les accroche. 2, on les raccroche. Et après, je pense qu'on les a pour un paquet de temps. En tout cas, c'est mon opinion. Ouais, il y a Jean-Philippe qui pose la question sur Facebook. Et donc, Guillaume, tu viens bien d'y répondre. Et Rémi aussi. Donc, super intervention de tous les deux. J'ai l'impression que c'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui sur rendre le golf fun. Pourquoi les choses ne bougent pas ? Point d'interrogation. Et surtout, pourquoi l'image du golf en France ?
ne change pas. Donc ce discours de fun, comme l'a dit Christophe, ils ont essayé déjà il y a une vingtaine d'années de faire des choses pour il a parlé de cette notion d'avoir 300 gamins, il y en a 3 qui ont été fidélisés en école de golf. Et c'est là où je lui ai posé la question, mais Christophe, mais alors pourquoi? Pourquoi concrètement il y a uniquement 1% qui ont été convertis? Et pourquoi et comment on fait pour arriver à 10? Tu vois, comment on fait pour arriver à 10%? Donc je pense que voilà, là c'est plus détaillé et la prochaine question devient, est-ce que la FFG ou la PGA, alors est-ce qu'ils ont déjà mis en place, je ne sais pas, vous me répondrez beaucoup mieux que moi, mais est-ce qu'ils ont un livret ou un carnet de bord ou une formation en ligne, ouais, où les pros peuvent justement se former pour mieux accompagner les enfants dans cette démarche de fun, technique, performance? Je précise que Jean-Philippe, c'est Jean-Philippe Rodenburger, hein, le journaliste spécialiste de la vidéo et du podcast au Journal du Golf. Si vous voulez répondre à cette question, messieurs, puis après peut-être qu'on se quittera parce que ça fait quand même plus d'une heure. Parle pour toi, Arnaud. Nous, on est là pour la soirée. Hein. Plus d'une heure et quart qu'on est tous ensemble. Donc, allez-y, Guillaume et Rémi. Et après, on conclura avec le programme de la semaine prochaine. Non, on peut conclure là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, alors, je vais faire la promo. Je ne devrais pas en faire, mais je vais faire la promo de quelque chose. Il faut aujourd'hui que les pros PGA, là, clairement, on sait qu'on va avoir à la fois une opportunité et on doit le faire. Enfin, moi, j'estime que c'est une mission des golfs que d'être solidaire, ouais, vis-à-vis de tout ça et que d'accueillir des jeunes. Donc, on doit l'être. Nous, on essaye aujourd'hui avec la PGA de dire certaines choses, de créer des rencontres virtuelles. Je fais un coucou à Guillaume Vianbénard qui essaye de faire ça avec moi. Il est évident que pas cette semaine, mais la semaine prochaine, c'est-à-dire jeudi, pas ce jeudi qui vient, mais dans une dizaine de, dans presque 2 semaines maintenant, on va faire au moins pendant 2 heures, si ce n'est pendant 3 heures, on va faire intervenir des gens qui sont spécialisés dans le golf junior, et ça sera une émission qui sera ouverte à toutes et à tous, sur comment est-ce qu'on va pouvoir dynamiser ce moment où on va avoir une tonne de jeunes qui sont des nouveaux golfeurs qui savent même pas ce que c'est, comment est-ce qu'on va les accrocher, comment est-ce qu'on va être bon là-dessus, avec tout ce qu'on vient de dire du fun, mais de la sécurité, avec tous les sujets qui vont faire que notre action va être encore plus pertinente et où on va, alors je sais pas pourquoi je dis ça aujourd'hui, allez, marquer l'essai parce qu'on a la balle, ça c'est pour le panier, ça c'est pour Lewis, ou en tout cas transformer cet essai, là on a une opportunité de marquer, donc de transformer cet essai étant donné qu'on est dans le sport. Et donc j'invite même tous les parents, tous les gens que ça va intéresser sur la page. Alors je suis désolé de faire la promotion, Arnaud, tu m'excuses. Hein, non, mais je pense que c'est important. On le cross-postera sur Journal du Golf, donc tu peux y aller. D'accord, mais sur la page PGA France Facebook Live, jeudi dans 15 jours, on va faire une émission qui va durer, à mon avis, assez longtemps avec, je me répète, des spécialistes de l'enseignement et des spécialistes de l'enseignement junior pour essayer d'échanger tous ensemble sur comment accueillir le mieux possible ces jeunes et comment être performant, compétent et de les faire, excusez-moi le terme, je vais faire un terme jeune parce que ça sera des jeunes, comment on va les faire kiffer à Donf. Tu as tout à fait raison de parler de la PGA. Journal du Golf est partenaire de la PGA à travers notamment le magazine Practice que nous co-éditons. Allez, pour terminer, Rémi, une conclusion sur cette première émission. Oui, moi je vous donne rendez-vous donc lundi à 14h pour parler du golf, pour parler du golf junior. Et je finirai par la façon dont j'ai commencé le débat. En disant, évidemment, hein, entre guillemets, le Covid est une chance, entre guillemets. En tout cas, je pense que nous avons su tirer des choses positives. Encore une fois, le fait que, et comme le dit Guillaume, que les pros se réunissent, discutent, échangent, partagent, essayent de trouver des solutions… je trouve ça super, le fait qu'on puisse avoir des jeunes non-golfeurs dans les clubs, opportunité. Donc évidemment qu'il y a des choses négatives du Covid, et des proches ont été touchés par le Covid, donc je sais ce que c'est. Mais encore une fois, il faut essayer de voir ce que peut être les bons côtés de ce Covid et avoir des réactions positives. Voilà ce que je voulais dire. Allez, la balle est dans notre camp, les gars. Les pro PGA, on y va. Vas-y, Lewis, à toi.
Ouais, bah, je suis tout à fait en phase. Et en fait, c'était vraiment le mot tout à l'heure qui m'avait un petit peu interpellé quand j'ai entendu Rémi dire le mot chance. C'est pour ça que j'ai rebondi dessus, parce que je pense qu'il y a une opportunité à tirer de chaque situation, évidemment. Et voilà, ce qui est bien au Journal du Golf, c'est qu'on est souvent dans les groupes WhatsApp, toujours en train de, tous les jours, on est dans le groupe WhatsApp en train de proposer justement des idées innovantes, des solutions, des invités qui vont vraiment pouvoir amener de la positivité dans la maison de chaque personne qui sont en train de regarder. Et puis on est monté jusqu'à tout à l'heure, on est monté à plus de 250 personnes qui étaient en live. Donc on voit qu'après 6 semaines de confinement, l'audience continue à grimper et on voit que les gens apprécient tout le contenu qu'on est en train de proposer. Évidemment, la semaine prochaine, c'est top de parler des juniors parce qu'on est presque sur la sortie du confinement. Donc le fait d'évoquer comment est-ce qu'on va accompagner ces enfants, comment on va... Rémi, sa mascotte qui est là, tout à l'heure, c'est lui qu'on entendait dans le truc. Mais en tout cas, voilà, moi je voulais saluer l'effort de mes deux amis, là, Guillaume et Rémi, qui font un boulot formidable chacun dans leur golf de façon différente, mais tout aussi formidable. La semaine prochaine, on a un programme chargé. Moi, il y avait Alex Lévy qui était tout à l'heure dans le Facebook Live. J'aurai l'occasion d'être avec Alex sur Instagram cette fois-ci. Donc si vous n'êtes pas abonné à Instagram, c'est Journal du Golf. On sera en live mercredi prochain avec Alex. On va parler un peu plus de jeu. Je vais le défier un petit peu parce que je sais qu'il a un filet dans son jardin. Donc on va parler un peu de swing. On va parler un peu de trajectoire. Ouais, ça va être pas mal. À quelle heure? Ça sera 16h30 mercredi prochain, donc sur Instagram. Ça sera juste avant le live de 17h où il y aura, je crois que c'est peut-être. C'est toi, Rémi, non, à 17h mercredi prochain, il me semble. Le programme est totalement définitif. Ouais. Et on a vu un commentaire tout à l'heure passer sur les femmes. Et dans les prochaines semaines, parce que je sais qu'il y a une personne qui s'appelle Véronique Mellet qui a ouais, j'ai voulu une commenter, dizaine de commentaires. Ouais. Donc du coup, Véronique, ne t'inquiète pas. Évidemment, on adore toutes les. Enfin, on a eu ces dernières semaines. On a eu. Saint-Bouchard. On a eu Johanna Claten. Donc on a des. Sandrine Mandiburu. Sandrine, voilà. Donc on a des personnes qui viennent intervenir. Et dans les prochaines semaines, on aura également d'autres femmes qui vont intervenir sur le Facebook Live du Journal du Golf. Donc, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'on fera cette émission tous les quatre, parce que c'est toujours super sympa de pouvoir échanger ensemble. J'aime bien quand on passe sur des sujets un peu forts, où on peut se titiller un petit peu. Et puis surtout, Guillaume continue à porter les lunettes. Lunettes de l'espace. Magnifiquement bien, je sais. Mais allez, merci trop à tous. De temps devant l'écran, mes yeux. Okay, merci à tous. Bon week-end, merci à Lewis qui assurait en même temps la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous. Ciao. Alors.